Et en tant que mère, tu dois toujours vérifier si l'enfant a fait ce qu'il a dit. Parce qu'il y a souvent, c'est comme s'il y a souvent un esprit malin là qui fait que ça entre dans l'enfant. Tu te laves avec le sel. Oui, maman. Va dans sa chambre, tu check le niveau du sel que tu as mis là. Tu check. Une semaine, deux semaines, tu vois, c'est au même niveau. Tu demandes encore. Il va te dire que oui. Et juste, c'est pour ça que la méthode du gel douche est aussi très importante. Oui, ne blague pas avec les enfants. Ne blague pas. Et de temps en temps, tu fais le thé là. Tu donnes, il boit. Une fois par mois, tu fais, il boit ça pendant deux jours. C'est les choses dans ton ventre, ça sort. Parce que nos enfants sont... Comme je dis que vous ne checkez pas l'avenir de vos enfants. Il y a des gens qui partent, ils checkent. Ils connaissent que l'enfant sera président. L'enfant, là, il va sortir sa mère de la pauvreté. Et comme toi, tu as bloqué, parce que tu n'as pas de blocage, c'était bon. Elle est là, bloqué, c'est bon. Et maintenant, il faut qu'ils aillent bloquer ton enfant. Parce qu'ils savent que si on bloque l'enfant là, toi-même, tu ne peux pas te rendre à l'aise. Comprenez bien le plan des sorciers. On bloque ton enfant parce qu'on sait que c'est lui qui va te sortir de la pauvreté. Et comme on ne veut pas que tu sortes de la pauvreté, j'ai travaillé sur une femme une fois, sur une jeune fille de 25 ans. Sa tante parle, la petite soeur de sa mère dit qu'elle a bloqué la jeune fille parce qu'elle sait que si la jeune fille arrive en Europe, c'est qu'elle va faire venir sa mère. Et comme elle, la sorcière, sait qu'elle est à Calais en Afrique, elle ne va jamais prendre l'avion physique parce que c'est des gens qui voyagent bien sûr dans la nuit. Elle sait qu'il faut qu'elle bloque l'enfant là parce que si elle la bloque, c'est qu'elle a bloqué sa mère. Et elle a gâté le mariage de la mère de cette fille. Elle a dit dans le même esprit à vous que c'est moi qui ai gâté le mariage de ta mère. Donc je suis venu enterrer les choses chez vous. La jeune fille, à chaque fois qu'elle veut déménager, est bloquée. Son fiancé qui est en France, là où c'est en France, c'était où là-haut. Son fiancé, même problème. Dès qu'il dit qu'il va être avec elle, je vais venir t'épouser, je vais venir faire ceci, problème. Finalement, il abandonne. Les sorciers, vous connaissez. C'est moi que vous là, vous êtes le simpleton comme ça, simple.